Bonjour et bienvenue sur AlgoBus. Toujours dans le chapitre de la cryptographie, nous allons voir aujourd'hui encore un algorithme de cryptographie qui est maintenant le codage affine. Nous avions déjà vu le codage César, on avait déjà vu le codage Wigner, et on va voir maintenant un algorithme qui tient plus un petit peu des fonctions qu'on a pu déjà voir en terminal, et un petit peu plus justement un petit peu de cette géométrie et de cette analyse finalement de fonctions. Alors le codage affine, quand on parle de affine, c'est des choses qui éveillent déjà un petit peu quelque chose en nous, des souvenirs, pas forcément heureux. Les fonctions affines, c'était des fonctions qui étaient représentées par des lignes droites. Si vous vous souvenez, c'est des fonctions qu'on représentait par y égale à x plus b. On avait un a qui était le coefficient directeur et on avait le b qui était en fait l'abscisse à l'origine, tout simplement. Et en fait, on représentait une ligne droite. Alors, à quoi va nous servir cette ligne droite dans le codage? Eh bien, tout simplement, on va utiliser cette ligne droite justement pour codifier chaque caractère de notre mot et essayer de retrouver finalement comment on peut coder à l'aide d'une ligne droite, comment est-ce qu'on peut crypter un message et retrouver, redécoder ce message-là. Alors, ce que je vous propose, c'est justement de reprendre ces informations-là. Et on va essayer de voir comment est-ce que finalement on peut mettre un codage affine en place. Alors, on va rappeler les principes du codage. C'est simplement qu'on va utiliser chacune des lettres de l'alphabet, A, B, C, D, jusqu'à Z. Pour l'instant, on va le faire uniquement sur les caractères 1. On va le faire uniquement sur les caractères... Ah, il ne le prend pas. Les caractères majuscules. Y et Z. Ok, donc on a bien les 26 lettres de l'alphabet. Pour la première fois, vous vous souvenez que pour les codages, en fait, l'ordinateur préfère travailler avec des chiffres et donc on va affecter un chiffre à chacune de ces lettres. Donc 0, 1, 2, 3. Bah, visiblement, même Excel préfère travailler avec des chiffres. Donc on a affecté des chiffres de 0 pour le A à 25 pour le Z. Et on va essayer de travailler maintenant avec une fonction affine. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Alors je vous le rappelle, c'était qu'on avait, on pouvait dire par exemple que y égale a à x plus b. Donc ça, vous savez que c'était... On va reprendre ça, minuscule. On avait ce genre d'écriture, on avait y égale à x plus b, et on se retrouvait en fait dans un repère orthonormé, et en fait... on avait, quand on traçait AX plus B, ça donnait habituellement une droite qui était dans ce sens quand A était positif, qui était dans le sens de ma courbe bleue si jamais A était négatif. Ok, donc ça c'est la courbe AX plus B, donc simplement une droite. Quelle est l'idée ici? En fait l'idée c'est de prendre en X la coordonnée de départ, c'est-à-dire qu'on va prendre une valeur de X sur l'axe des abscisses, et en fait on va coder par rapport à la courbe, on va récupérer finalement la valeur de y qui correspond. Et donc c'est-à-dire que si je reprends ma courbe, tout simplement, la lettre, si jamais je veux codifier la lettre, par exemple la lettre C, et bien la lettre C a le paramètre 2, et bien tout simplement je vais faire 2a plus b, ça va être ma valeur y, et ça va être, y va être la valeur dans laquelle je vais codifier b. Alors toujours, on aura toujours un modulo 26, naturellement, pour que la lettre, une fois codée, se retrouve dans l'intervalle 0,25, pour qu'elle corresponde de nouveau à une lettre. Ok, donc on va essayer de faire ça, et on va utiliser une fonction. Alors on va essayer de prendre n'importe, on va prendre 3x plus 9, par exemple. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre une fonction affine, 3x plus 9. Et on va essayer de voir si on peut coder toutes les lettres avec notre fonction affine, 3x plus 9. Alors comment on va faire ça? Et bien simplement on va prendre la lettre de départ, B1. On va la multiplier par 3 et on va faire plus 9. Donc là j'ai vraiment récupéré ma courbe. Ma ligne droite. Donc là, pour l'instant, effectivement, si je fais simplement comme ça, on s'aperçoit que j'ai des lettres qui vont largement dépasser 26.
Et donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette un modulo autour et que je fasse un modulo 26 pour de nouveau récupérer une valeur entre 0 et 25. Ok. Ça a l'air de marcher pas trop mal. Alors, pour que le codage réussisse, tout simplement, il faut que chacune des lettres de départ me donne un chiffre différent en arrivée. Alors, est-ce que c'est bien le cas? On va juste vérifier. Donc, on a le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pense qu'on les a tous. Hein. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, donc ça veut dire que chacune des lettres, on a les 0 à 25 nombres au départ et on a 0 à 25 nombres à l'arrivée. Ça veut dire en fait que chaque lettre est codée dans une lettre différente. Et par exemple, si je veux coder la lettre B, eh bien la lettre B, elle a le caractère 1 au départ. Donc on est là. Elle est transformée en 12. Et 12, c'est quoi? Eh bien 12, ça va être le caractère M. Donc B est converti en M. C'est comme ça que va marcher le codage affine. Alors ok, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de marcher pas trop mal. On a effectivement chacune des lettres qui est finalement convertie en une autre lettre. Alors est-ce que ça marche à chaque fois? Imaginons par exemple, cette fois-ci, je n'utilise plus la fonction y égale 3x plus 9, je vais utiliser la fonction égale 4x plus 9. Tout simplement, je vais juste changer le coefficient directeur, et donc je vais juste multiplier par 4 au lieu de multiplier par 3. Et tout le reste reste identique. Ok, donc j'ai fait ça, et oh! Ben là, j'ai un problème. J'ai un problème, pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, le L qui est ici, qui a la valeur 11, va être codifié en 1, et 1, ça va être codifié en B. Et le Y qui a la valeur 24, en fait, va être codifié en 1, et va avoir la valeur B aussi. Et le problème, c'est que si L est codé en B et que Y est codé en B, eh bien, je vais avoir du mal à décoder. Parce que quand je vais avoir un B dans mon message codé, je ne saurai pas si, pour revenir en arrière, est-ce que ça se convertit en L ou est-ce que ça se convertit en Y. C'est pas génial. D'autant plus que ce n'est pas la seule lettre, visiblement, puisque ici, j'ai 13 et là, j'ai 13. Donc là aussi, je vais avoir du mal pour savoir, pour revenir en arrière. Et là, j'ai 15 et 15, j'ai plusieurs, j'ai 15 et 15, j'ai 19 aussi, qui en doublon, j'ai plusieurs doublons dans ma méthodologie. Donc là, ça va pas. C'est dommage. Donc en fait, j'avais un codage affine qui était du premier coup, il était bon, et je me suis dit qu'en fait, je pourrais coder avec n'importe quelle équation de droite. Et manque de bol, je viens de me rendre compte en fait que c'est pas tout à fait vrai. Je peux pas codifier en fait avec n'importe quelle droite. Alors avec quelle droite j'ai le droit de codifier? Et avec lesquels je n'ai pas le droit de codifier. Eh bien, je vous propose de faire quelques petits calculs et de voir en fait qu'est-ce qui cloche dans notre raisonnement. Alors, ce qui cloche dans notre raisonnement, on va déjà poser un petit peu les hypothèses. Imaginons que j'ai l'indice d'une lettre, N1, j'ai l'indice d'une lettre et j'ai l'indice d'une deuxième lettre. Donc là, par exemple, je convertis une lettre N1, et j'aurai son code. Et j'aurai une lettre N2 et je connaîtrai son code aussi. Alors, au départ, eh ben, je sais que N1 est inférieur ou égal à 0 et est inférieur ou égal à 25. C'est le cas aussi pour N2, hein, puisque c'est une lettre que je prends dans ma liste. Donc je sais que la lettre elle sera codifiée entre 0 et 25, puisqu'elle appartient à l'alphabet des lettres majuscules. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux dire? En quoi ce sera converti, ce N1? Eh bien, si je reprends l'équation de droite que j'avais tout à l'heure, celle qui marchait, je vais prendre l'équation 3x plus 9. Ça veut dire que si je remplace N1 ici, je vais en fait avoir C1 qui est égal à
N1 plus 9. Et je vais avoir la conversion de mon deuxième nombre qui va être 3 fois N2 plus 9. Ok. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'on avait vu que comme la conversion, on veut aussi retrouver un nombre entre 0 et 25. Ce que je fais, c'est que tout ça, je fais un modulo 26 dessus. Donc, c'est-à-dire que je garde le reste de la division entière par 26. Et là maintenant, effectivement, je vais récupérer C1 qui va être la conversion de N1 par ma fonction affine. D'accord, donc j'en suis là. Ok, donc maintenant on va se dire que on va essayer de montrer que si N1 est différent de N2, c'est ce qu'on voudrait prouver, si N1 et N2 ne sont pas la même lettre, eh bien ça implique forcément que C1 va être différent de C2. Tout simplement. Donc on dit en fait tout simplement, voilà, si mes lettres ne sont pas identiques au départ, il faut qu'elles ne soient pas identiques à l'arrivée. Parce que si deux lettres, comme on l'a vu ici, donnent le même code, en fait ça veut dire qu'on n'arrivera pas à décoder le message. Il ne faut pas que une lettre, que deux lettres puissent donner en fait, à aboutir sur la même lettre dans le message codé. Ok. Donc ça c'est un petit peu. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut démontrer ça. Et pour le démontrer plus facilement, on va passer par la contraposée. Alors qu'est-ce que c'est la contraposée? Tout simplement, la contraposée, si je veux donner un exemple, je dis simplement que si c'est un poisson, alors ça vit dans l'eau. Alors la contraposée, hein, simplement, on va essayer de... Ça se base sur la négation, finalement, de ces deux éléments. Alors je ne peux pas dire que si ça vit dans l'eau, c'est pas parce que j'ai un si c'est un poisson, ça vit dans l'eau. Je ne peux pas dire que si ça vit dans l'eau, c'est un poisson. Je ne peux pas le dire, tout simplement, puisque ça, vous le comprenez bien, la baleine vit aussi dans l'eau, alors que la baleine n'est pas un poisson. C'est un mammifère. Donc ça, j'ai pas le droit de le dire. Par contre, ce que j'ai le droit de le dire... c'est que si ça ne vit pas dans l'eau, alors ce n'est pas un poisson. Si un poisson vit dans l'eau, alors si ça ne vit pas dans l'eau, eh ben je suis sûr que ce n'est pas un poisson. Ça, c'est la contraposée. Donc qu'est-ce que ça veut dire si jamais j'en fais une version générique? Ça veut dire que si A implique B, eh bien en fait ça veut dire que non B implique non A. Donc là, c'est des opérateurs logiques que je détaillerai pas trop. Il y a des vidéos sur ma chaîne qui vont expliquer les notions de logique. Là, je peux pas trop le développer parce que sinon, ça va me pousser trop loin. Donc, si jamais j'ai donc A implique B, donc ici j'ai A, ici j'ai B, eh bien la contraposée, elle va me dire quoi? Eh bien, elle va me dire non B, donc c'est-à-dire la négation de ça, c'est C1 égale C2. Si le résultat du cryptage de C1 est égal à C2, seulement si, donc j'ai la négation de N1 et N2, qui est en fait égale à N1 égale N2. Qu'est-ce que me dit la contraposée? La contraposée me dit simplement que si le chiffre obtenu par cryptage, deux chiffres sont identiques, alors forcément, je sais que je suis parti du même nombre. Voilà, tout simplement. Et je vais essayer de démontrer cela. Là, j'ai une égalité, ça va être beaucoup plus facile à prouver qu'une inégalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Simplement, ça veut dire que si C1 égale C2, eh bien, c'est que j'ai égalité, c'est entre les termes C1 et les termes de C2. Donc j'ai une égalité là-dessus. Ok, donc... si je suis là-dessus, ça veut simplement dire, donc du coup, que si j'ai C1 égale C2, on peut dire que on a cette égalité-là. Donc le reste de la division entière par 26 de 3N1 plus 9 est égal au reste de la division entière par 26 de 3N2 plus 9. Et là, en fait, c'est le phénomène de congruence qui va nous aider. Et on peut simplement dire, en fait, que 3N1 plus 9... congrue
congru à 3n2 plus 9 modulo 26. Ça, ce sont les propriétés de la congruence que l'on a déjà utilisées. Ok. Dans le chapitre de congruence, là aussi, j'ai un cours sur la congruence dans ma chaîne. N'hésitez pas à aller le voir pour comprendre plus les aspects de la congruence. Là, je ne vais pas le développer non plus. Si 3n1 plus 9 est congru à 3n2 plus 9, eh bien, en fait, je peux simplement enlever 9 de chaque côté et je peux retrouver, en fait, tout simplement que 3n1 est congru à 3n2 modulo 26. Et si je veux maintenant mettre les éléments du même côté, je peux simplement dire que 3n1 moins 3n2 congru à 0 modulo 26. Donc je peux arranger un petit peu ça, j'ai 3n1 moins 3n2, je peux mettre 3 en facteur, n1 moins n2 congru à 0 modulo 26. Ok. D'accord, donc ça, pour l'instant, je suis toujours en train d'essayer de démontrer que si le code, si j'arrive sur deux codes identiques, en fait, c'est que je suis parti finalement du même caractère et que j'ai effectivement un caractère par codage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que 3n1 moins n2 est congru à 0 modulo 26? Eh bien, ça veut simplement dire que je me retrouve avec 3 multiplié de n1 moins n2 est égal à k fois 26 avec k entier. Donc entier appartenant à z, hein, entier positif et entier négatif. Et k peut valoir 0 également. Et donc on va essayer de voir, en fait, on va essayer de voir quelles sont les valeurs qui peuvent entrer en jeu dans le calcul de n1 moins n2. Alors n1 moins n2, on va déjà essayer d'estimer. On a vu tout à l'heure que n1 est compris entre 0 et 25, et on a compris que n2 était compris entre 0 et 25 aussi. Donc on va essayer d'estimer n1 moins n2. Alors quelle est la plus petite valeur que peut atteindre n1 moins n2? Et bien la plus petite valeur que peut atteindre n1 moins n2, c'est tout simplement... Donc c'est la plus petite valeur que peut avoir n, et bien la plus petite valeur que peut avoir n1, c'est 0, et la plus grande valeur que peut avoir n2, puisqu'en fait on l'enlève, la plus grande que peut avoir la valeur n2, c'est 25. Et donc la plus petite valeur qu'on peut avoir, c'est moins 25. Ok. Quelle est la plus grande valeur qu'on peut obtenir? Quelle est la plus grande valeur que l'on peut obtenir avec n1 moins n2? Et bien, n1 moins n2, la plus grande valeur que je veux obtenir, c'est que je maximise n1. Donc, on voit que n1, la plus grande valeur que je peux avoir, c'est 25. Et on minimise n2. n2, la plus petite valeur que je peux avoir, c'est 0. Et donc, on se retrouve avec 25. Donc, on peut donner un encadrement de n1 moins n2, qui est en fait égal à moins 25. Et un encadrement supérieur qui est égal à 25. Et donc si maintenant je peux en déduire un encadrement de 3, n1 moins n2, et tout simplement je vais multiplier la borne minimum par 3, et je vais multiplier la borne maximum par 3, et je vais avoir un encadrement de 3 n1 moins n2 qui va être égal, qui va être compris entre moins 75 et plus 75. Ok, donc je rappelle que 3n1 n2, c'est égal à k fois 26, et cette valeur est comprise entre moins 75 et plus 75. Donc je vais essayer de tracer tout ça sur un graphe. On va essayer de se dire, par exemple, je vais prendre mon axe ici, et je sais que je suis compris, que toutes les valeurs sont comprises entre moins 75 et plus 75. Donc on va essayer de mettre 0 quelque part. Hop. Donc là, je suis à moins 75. Là, je suis à 0. Et là, je suis à plus 75. Donc on va essayer de chercher
quelles peuvent être toutes les valeurs de K. Ici, je rappelle que je cherche toutes les valeurs de K telles que les 3 multipliés par n1 moins n2 en fait, se retrouvent dans l'intervalle moins 75 plus 75. Donc on peut commencer avec K égale 0. Avec K égale 0, on va se retrouver 26 fois K, ça va donner 0. Donc celui-là, je l'ai déjà. Donc on va avoir effectivement une valeur correcte qui va être ici pour 0 pour K égale 0. Donc je vais l'écrire. K égale 0. Ensuite, si K égale 1, on va retrouver K égale 1, et bien 26 fois 1, ça va faire 26. On est dans l'intervalle plus 75. Donc on va avoir quelque part 26 ici, et on va avoir ici K égale 1. Pour K égale 2, on va avoir 26 fois 2, ça va faire 52. On va être à peu près là. Donc on va avoir K égale 2, donc 26 fois 2, ça va faire 52. 26 fois 3, eh bien ça va faire 52 plus 26, ça va faire 78, et là je serai au-delà des 75. Donc K et K plus 3, on ne va pas le compter, on va le mettre en rouge. K plus 3, on sera au-delà de 75, donc en fait c'est une valeur dont on ne veut plus tenir compte. Là on serait sur K égale 3. On est en dehors de l'intervalle. Pour les mêmes raisons, en fait, on va tracer. On peut avoir des valeurs négatives pour K, donc on a K qui peut être égal à moins 1, K qui peut être égal à moins 2, et donc en fait, et K qui est égal à moins 3, c'est de nouveau une valeur qui va être hors de l'intervalle. Ok. K égale moins 1, hop, je l'écris en vert. K égale moins 1, K égale moins 2. Ok, donc on a finalement 5 valeurs possibles pour K. On va les noter ici. Donc on peut avoir K également, si K égale moins 2, ben ça veut dire que 26K égale moins 52. Et on va avoir les 5 K comme ça. Tac, 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 tac. K égale moins 1, K égale 0, K égale 1 et K égale 2. Donc là, moins 26K, ça va dire moins 26. 26K égale 0. 1K égale 26. Et K égale 52. Ok. Et donc on a vu, on part sur cette égalité-là, que 3n moins 1 est égal à K fois 26. Ok. On va partir de la première équation. Si jamais 3n moins 1, donc là ça veut dire tout simplement que on essaie de déterminer que 3n moins 1 égale moins 52. Et quand est-ce que ça c'est possible? Eh bien en fait on s'aperçoit tout simplement que si on a 3n moins 2 qui est égal à moins 52, eh bien, il faudrait que n, ça impliquerait que n moins n2 soit égal à moins 52 sur 3. Mais là, on voit que 52, en fait, n'est pas divisible par 3, et en fait, on se retrouve sur un cas impossible, parce que n1, c'est un entier, n2, c'est un entier, et donc n1 moins n2 devrait donner un nombre entier. Et là, on arrive sur quelque chose d'irrationnel. Donc ça, en fait, c'est un cas qui est impossible. Pour les mêmes raisons, en fait, on ne peut pas non plus avoir la deuxième, puisque 26 n'est pas non plus divisible par 3, donc là, on est toujours sur un cas impossible. C'est toujours la même raison ici, 26 n'est pas divisible par 3, donc on ne peut pas avoir n1 moins n2 qui est un entier, et ici, on ne peut pas non plus avoir ce cas-là. Et donc, en fait, le seul cas possible, c'est celui-là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ça voudrait dire que n1 est égal à 0 divisé par 3. Donc, 0 divisé par 3, c'est 0. Et ça veut dire quoi? Que n1
moins N2 est égal à 0, et bien ça veut simplement dire que N1 égale N2. Et donc en fait, vous voyez qu'on est sur 4 cas impossibles, et le seul cas qui est possible, en fait, donne N1 égale N2. Et c'est ce qu'on essayait de montrer. On essayait de montrer, je vous le rappelle, que si C1 est égal à C2, ça veut dire que si le nombre chiffré, deux nombres chiffrés sont identiques, ça veut dire en fait qu'ils proviennent du même nombre d'origine. Et donc en fait, on est arrivé à le prouver. Donc en fait, celui-là, il marche. Ce cas-là, il marche avec 7, avec le 3, ça fonctionne. Alors, on va essayer quand même de revoir un petit peu les calculs pour comprendre comment est-ce qu'on détermine finalement qu'un cas marche ou qu'un cas ne marche pas. Je vous rappelle qu'on avait une fonction qui marchait, y égale 3x plus 9, et on avait une fonction qui ne marchait pas, qui était 4x plus 9. Ok. Donc, si on essaie de généraliser un petit peu le cas, et de comprendre comment ça marche, pourquoi est-ce que la deuxième fonction ne marche pas, alors que la première fonction marche? Eh bien, reprenons le calcul et essayons de généraliser un petit peu le cas. On va essayer de prendre, cette fois-ci, on va refaire tous les calculs, mais on va généraliser les cas, et on va utiliser ax plus b. Donc ça, c'est ma fonction affine, généralisée. Donc, si je veux savoir comment je suis crypté, eh bien, je vais avoir ax plus b modulo 26 pour C1, et je vais avoir ax plus b modulo 26 pour C2. Ok, je monte ma contraposée, tout simplement. Et je m'aperçois que quand je fais ax plus b modulo 26 égale ax plus b modulo 26, j'ai donc un phénomène de congruence. Et je m'aperçois bien vite, en fait, dans cette écriture, que je ne tiens même plus compte de a, de b, pardon. Donc en fait, on a l'impression que le facteur b, ce ne sera pas le facteur qui va être déterminant pour savoir si on a affaire à une fonction affine qui va marcher ou qui ne va pas marcher. Donc visiblement, ça va être plutôt en question de A, en termes de A, que ça va poser problème. Le A, en fait, on va le retrouver là. Et donc, encore une fois, quand on va essayer de chercher quelle est la plus petite valeur, on va essayer de le comparer à K26. Et donc là, tout simplement, c'est qu'on va voir que là, on a 25 et 25, et on va se retrouver ici avec moins 25 fois A et plus 25 fois A. Et donc en fait, le but, c'est que on trouve simplement, il faudrait que la seule réponse possible, ce soit K égale 0, et cette réponse, on l'a uniquement en fait quand on n'a pas, quand on n'arrive pas à diviser 26 par A. Et en fait, on en arrive sur la conclusion que pour que la fonction affine marche, il faut simplement que le coefficient directeur de la droite, A, tout simplement, soit premier avec 26. Donc il faut que A et 26 soient premiers entre eux pour que ça marche. Sinon, ça ne marchera pas. Donc ça ne marche pas avec 4, puisque 4 et 26 ont un diviseur en commun qui est 2. Donc ça ne marchera pas. Ça marchera visiblement avec 5. Essayons de observons, voir si ça marche. Je prends cette fois-ci la valeur 5. 5x plus 9, je sais que B, en fait, ne sert à rien. B ne va pas être influent là-dessus. Et là, je m'aperçois que je suis de nouveau sur une fonction qui marche. Avec 5, ça marche de nouveau. Vous voyez, je suis 0, 1, 2, 3. Normalement, j'ai de nouveau pas de doublon. Tout simplement parce que je suis de nouveau avec un coefficient directeur. Avec 26, c'est mon coefficient directeur, son premier entre eux. C'est-à-dire que le plus grand commun diviseur entre les deux est 1. Ok, donc on a résolu un petit peu ce problème pour savoir finalement qu'est-ce qui fait que une fonction affine donne un codage correct ou donne un codage incorrect. Très bien. Donc il faut que le coefficient directeur de la droite que l'on utilise et 26 soit premier entre eux. Maintenant il y a autre chose, c'est que, alors c'est bien beau d'avoir codifié, mais maintenant il faudrait pouvoir décodifier. Et alors naïvement, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait penser, bah de se dire par exemple, là j'ai utilisé, alors je vais reprendre ma fonction 3x plus 9, et on pourrait se dire naïvement, bah pour décoder c'est facile en fait. Il suffit, qu'est-ce que j'ai fait à ce nombre-là?
à ce nombre d'origine. Tout simplement, je l'ai multiplié par 3 et j'ai ajouté 9. Donc si je retranchais maintenant 9 et que je divisais par 3, eh bien j'aurais forcément mon décodage. Alors, et là on arrive sur des nombres irrationnels. Alors qu'est-ce que j'ai fait faux? Ben, en fait, ce que j'ai oublié, en fait, c'est qu'effectivement, si jamais j'avais eu y égale 3x plus 9, tout simplement si j'étais parti sur une fonction affine, effectivement j'aurais eu que x est égal à y moins 9 divisé par 3. Et là j'aurais eu raison, ça aurait été exactement l'expérience inverse. Sauf que dans ce cas-là, en fait, ce que j'ai oublié de considérer, c'est que tout cela, en fait, je prenais le modulo 26 pour pouvoir justement le recaser à l'endroit où j'en avais vraiment besoin. C'est-à-dire que j'avais de nouveau besoin d'avoir la conversion, enfin la transcription devait de nouveau être un nombre entre 0 et 25. Et ça, en fait, c'est une donnée que j'ai oubliée. Et alors, qu'est-ce que j'aimerais faire ici? Eh bien, tout simplement, le coefficient directeur que j'ai mis ici, là, ne colle pas. Alors, il ne colle pas, pourquoi? Eh bien, tout simplement, là, on a bien compris que le décalage 9, celui-là, je pouvais le garder, mais là, je ne peux pas le diviser par 3. Il faut que je le multiplie par un certain nombre. Il faut que je vais appeler i, i qui va être l'inverse modulaire. Et qu'est-ce que c'est que ce nombre i? Eh bien, ce nombre i, tout simplement, si ici, le nombre i, tout simplement, si a est le coefficient directeur de ma droite, il faut simplement que a multiplié par i, en fait, soit congru à 1 modulo 26. C'est simplement que le produit de ces deux nombres, en fait, me donne le résultat 1 modulo 26. Et donc, comment je peux calculer ce i? Eh bien, tout simplement, ce i, je peux le calculer avec l'algorithme étendu d'Euclide. Mais alors là, je ne vais pas l'expliquer maintenant, je ferai une vidéo à part. Je ne veux pas maintenant rentrer dans les détails, mais ce qu'on va essayer, c'est d'utiliser quand même... on va tâtonner un petit peu pour essayer de le trouver. Alors, je connais a, qui est ici, qui a la valeur 3. Et je vais essayer de trouver un nombre i, tel que a multiplié par i, modulo 26, me donne finalement le nombre que je cherche. Ok, alors ce que je propose de faire, c'est qu'on va déjà essayer de calculer 0, 1, 2, 3, et on va faire quelques essais, et on va donc dire, et on va prendre la valeur de A, on va la multiplier par la valeur de I, qui est un compteur qui s'incrémente de 0 à 26, et on va prendre le modulo de cette somme, et on va prendre modulo 26. Ok, donc là ça fait 3 fois 0, modulo 26 ça fait 0, et on va continuer comme ça. Ah, j'ai pas fixé A. Donc j'ai 1, il faut juste que je le fixe pour que je prenne toujours la même valeur de A quand je tire la formule. Voilà. Et en fait, je vais chercher 1. Ah, et puis on voit que j'ai 1 qui est à 9. Ok? D'accord? Donc effectivement, j'avais A qui était à 3. Et donc je fais 3 fois 9. 3 fois 9, c'est égal à 27. Et effectivement, 27, c'est congru à 1 modulo 26. Donc c'est le reste de la division entière par 26. Donc 26, c'est quoi? 27, en fait, c'est 27, c'est égal à 1 fois 26 plus 1. Et donc, effectivement, c'est bien 1 que l'on récupère. Et donc, si je pars avec l'inverse modulaire de 3, c'est 9. En fait, pour le décodage, il ne faut pas que je divise par 3, mais il faut que je multiplie par 9. Donc si je multiplie par 9, cette fois-ci, effectivement, je ne vais plus avoir de valeur irrationnelle. Par contre, je veux de nouveau me placer dans le cas où je suis entre 0 et 25. Et pour cela, il faut de nouveau que j'utilise un modulo pour retrouver une valeur entre 0 et 25. Et vous voyez que si je tire maintenant ma formule vers le bas, en fait, je me retrouve avec les nombres triés dans l'ordre comme je l'avais à l'origine. Donc là, je suis passé de des valeurs qui représentaient les différentes lettres. Je les ai triées par le codage affine
et je suis arrivé à de nouveau, finalement, revenir en arrière sur les propriétés. Alors en termes d'algorithmie, si jamais je voulais m'amuser à écrire ce programme, en fait, c'est pas un programme qui est très très compliqué à écrire. On se baserait de nouveau sur les CHR et les ordonnées. Je vous propose de l'écrire, donc d'utiliser finalement sans algorithmie, puisque finalement c'est pas très très compliqué à écrire. On aurait finalement deux coefficients qui seraient A et B, tout simplement, et on aurait tout simplement une chaîne de caractères que l'on voudrait finalement décrire. Je vais juste regarder un petit peu comment est-ce qu'on avait fait les autres formats pour que on soit à peu près sur la même chose. D'accord. Donc de nouveau, ce qu'il faut définir, c'est effectivement la chaîne codée au départ, elle est nulle. Et puis on va parcourir tous les éléments de ma chaîne S, c'est-à-dire tous les caractères qui se trouvent dans la chaîne S, et on va récupérer finalement, alors on va pas faire la distinction comme on avait fait dans l'algorithme César, on va considérer que la chaîne elle est correcte et qu'on va récupérer on va récupérer finalement que on a dans la chaîne on aura que des valeurs de lettres majuscules. Donc on va calculer l'indice de la lettre courante. Alors l'indice de la lettre courante, je vous le rappelle comment on l'avait fait, on l'avait déjà vu dans les autres vidéos. On va prendre l'ordonnée de la lettre et on va enlever l'ordonnée de A majuscule, ce qui fait que ça va nous récupérer l'indice de la lettre. Donc ça c'est exactement, ça a été expliqué dans l'algorithme César, n'hésitez pas à le récupérer là-dedans. Donc on a récupéré l'indice de l'élément. Comment est-ce qu'on va faire le décalage maintenant? Eh bien tout simplement, on va calculer le nouvel indice. C'est quoi? Eh bien c'est l'indice multiplié par le coefficient directeur plus b. Tout ça, encore une fois, on va le faire modulo 26 pour récupérer un nombre entre 0 et 25. Donc là maintenant on a l'indice de la nouvelle lettre qui est codée. Et donc en fait il suffit que la chaîne codée, qu'est-ce qu'on met dedans? On récupère la chaîne codée telle qu'elle a été écrite. Et on lui ajoute quoi? On lui ajoute simplement le caractère. Le caractère qui est à indice plus l'ordonnée de A. Donc ça, normalement, ça devrait fonctionner. Donc on va de toute façon comparer avec Excel pour voir si on a bien ce qu'il faut. Et en fait, ce qu'il nous faut, en fait, c'est aussi retourner la chaîne codée. Donc à la chaîne codée, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute systématiquement le caractère qui est à l'indice plus l'ordonnée de A, donc le décalage par rapport à A. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je vous invite à revoir l'algorithme de César, le codage César, qui va vous expliquer tout ça. Et donc maintenant, en fait, il ne reste plus qu'à lancer Affine. Et donc, on va essayer de voir, finalement, on va faire un print de Affine. Affine à qui on va transmettre le message « Bonjour ». Alors, on avait dit qu'on ne ferait que des lettres majuscules. Donc, on va faire affine égale bonjour. Là aussi, si jamais vous voulez le modifier pour faire des lettres minuscules, il faudra se revoir l'algorithme César qui explique tout ça. Donc là, on va essayer de voir. Oui, effectivement, je n'ai pas donné les paramètres de ma fonction. Donc, on avait dit que c'était 3x plus 9, ce qui nous permettra de comparer avec ce que l'on a fait dans Excel, et on va voir simplement est-ce que bonjour, donc B c'est 1, c'est converti en 12, 12 c'est M. Donc bonjour c'est M, O c'est 14, c'est converti en 25, 25 c'est Z, N c'est 13, c'est converti en 22, et 22 c'est W.
Est-ce que le début colle? Je pense que si le début colle, M, Z, W, effectivement, on a bien rempli notre fonction affine. D'accord? Je vais récupérer le mot de passe, qui est ici, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut le décoder. Donc le décoder, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si jamais je pars avec le mot codé, donc c'est bonjour qui a été codé, et que je donne les bons arguments, eh bien je vais pouvoir le décoder. Et comment je vais donner les arguments pour le décodage? Eh bien tout simplement, je vais récupérer la fonction de décodage. La fonction de décodage, on avait dit que effectivement on enlevait 9 d'abord, et on multipliait par l'inverse modulaire. Donc il me faut une fonction décode affine qui va prendre le mot bonjour codé et à qui je vais donner les paramètres 9 et moins 9. Ok. Donc comment est-ce que je vais écrire cette fonction décode affine? En fait, je vais reprendre la fonction affine puisqu'il y a très très peu de choses à changer. Hein. En fait, mon indice, je vais le récupérer. Puis, je vais additionner B. Et je vais, dans un second temps, multiplier par A. Donc, en fait, c'est faire l'opération inverse. Encore une fois, je fais un modulo 26. Tout simplement, je fais l'opération inverse. Là, l'indice était multiplié par A et ensuite on ajoutait B. Là, je vais d'abord enlever B. Donc en fait, enlever B, ça dépend dans quel sens vous le mettez. Si je mets 9, ça va être moins B. Et je vais multiplier par A. Et A, il faut que ce soit l'inverse modulaire. Et on va essayer de voir si tout ça, ça fonctionne. Normalement, si tout fonctionne, le décode devrait me redonner bonjour. On va voir. Super. Tout a réussi. J'ai su partir du mot code. J'ai pris le mot codé. Je l'ai décodé. En modifiant la fonction exactement comme on l'avait fait dans Excel. Donc, tout marche. Et pour ceux qui veulent justement encore travailler avec le codage et le décodage affine, naturellement, je mettrai dans la description le fichier Python qui va contenir les ordres pour coder et pour décoder en affine. Donc, on a résolu notre problème. On sait qu'on peut coder avec une fonction affine. On sait quelles sont les fonctions affines qui donnent des bons résultats de codage. On sait lesquelles avec lesquelles ça ne marche pas. C'est à chaque fois que vous avez un coefficient directeur qui n'est pas premier avec 26, donc qui a si le coefficient directeur et 26 ont un PGCD qui est plus grand que le 1, un plus grand commun diviseur, en fait votre fonction affine ne marchera pas. Tout simplement. Et on a vu aussi que pour décoder, eh bien il suffit de calculer ce qu'on appelle l'inverse modulaire. Donc c'est-à-dire c'est un nombre qui, multiplié par le coefficient directeur qui vous a permis de coder, est congru à 1 modulo 26. Donc là aussi, on n'a pas vu comment est-ce qu'on le calcule vraiment. On a plutôt tâtonné pour le retrouver. Alors avec Excel, ça marche très bien. Et encore une fois, je pense qu'il y a une vidéo où je parlerai en fait de la fonction de l'algorithme de Euler étendu qui vous permettra de calculer justement cette inverse modulaire. Donc là, encore un algorithme de cryptage qui est plutôt intéressant puisque je le trouve plutôt inattendu. C'est-à-dire qu'on est arrivé à voir qu'avec une fonction affine, donc quelque chose qu'on utilise en fait en analyse de fonctions depuis très longtemps, une ligne qui est définie par une équation y égale à x plus b, finalement on est arrivé à créer une fonction de codage qui fonctionne. Une fonction de codage qui fonctionne, c'est quoi? C'est tout simplement une fonction qui permet à chaque lettre d'associer une et une seule autre lettre. Et on est obligé d'avoir ce genre de choses si jamais on veut revenir en arrière. Si jamais deux lettres avaient donné la même lettre, en fait, on a vu que l'on ne pouvait pas revenir en arrière et décoder notre message. Ce qui est plutôt embêtant, puisque le but de la cryptographie, c'est justement de pouvoir coder un message et de pouvoir revenir en arrière. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir tout simplement que si jamais vous avez votre coefficient directeur à 0, donc si vous avez y à x plus b, en fait, vous avez juste un décalage fixe, et ce décalage fixe, en fait, vous retombez finalement sur l'algorithme de César. Donc, l'algorithme de César pourrait être un cas particulier du codage affine, simplement avec un coefficient directeur qui est égal à 0. Donc c'est plutôt intéressant de voir en fait qu'il y a plusieurs méthodes pour finalement coder un message et le décoder. Et là, en fait, l'esprit humain, je pense qu'il n'aura pas de limite pour voir toutes les fonctions que l'on pourrait utiliser pour faire de la crypto et pour revenir en arrière.
Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour continuer à toujours aller plus loin dans les algorithmes de cryptographie et de voir comment finalement on peut faire des messages de plus en plus sécurisés avec pour donner de plus en plus de difficultés à des personnes qui voudraient casser le code pour revenir en arrière. Bonne journée !